Salut les gens, c'est Snan, on se retrouve sur Repas Universalis 4. Allez hop. Allez hop. Toi, par contre, tu vas venir ici, à côté d'Ayutthaya. Attention, il a 17 000, on pourra pas combattre seul. Voilà, ici. Il manque 13 000 hommes. Succès commerciaux. Eh ben ça c'est bien. Moins de puissance, mais plus de succès. Les séparatistes aux Okawa. Ben, je vais les amener là-bas, mais... Terminé, séparatiste. Plus aucun. Zéro. Niat que dalle, là. Là, c'est pareil, on n'a plus que l'harmonie. Alors, dans combien de temps? 34 mois. Les Shizu. Méchant, méchant. Fin de la trêve avec Tokugawa. Du coup, on n'a pas besoin d'être là, nous. On pourrait aller là direct. Sur la prochaine guerre, les deux prochaines guerres. Malacca, non? Delhi. Kelantan. Alors, Delhi. Voilà. Malacca. La plus grande des insultes. Ils sont vraiment en train de patrouiller partout, partout.
Allez hop. Un petit coup de ça, un petit coup de ça. Un petit coup de ça. On va aussi enlever ce château. Il servira plus. Pareil pour lui. Et lui. Donc là. Personne. Voilà. Et encore un emprunt. On est à 380. La trêve avec Alutaya a expiré. C'est sacrément triste. Ah, Malwa de Jaunpour. Franchement, vous exagérez. Hein. Chaque fois que je demande un truc, à chaque fois, c'est trop. Eh ben, gueule. Oui, bah Bengale, je peux faire un... Est-ce que je tente de mettre Malwa et le Jaunpour dedans? Je peux quand même les sortir de la Koa juste après. Ils sont pas bas. J'ai des trucs là. Je vais les mettre quand même. Je veux me débarrasser de tout ce qu'il y a là. Par contre, on n'attaquera pas Sunda ni Bonai tout de suite. On attaquera d'abord Ayutthaya. Parce que ouais, on va les gérer. Regardez-moi ça. Ils sont quasiment prêts à s'allier avec moi. Et ils sont en guerre les uns contre les autres, n'importe quoi. Dommage qu'on puisse pas faire de PU vu qu'on peut s'allier avec tout le monde. Tristesse, hein? Arrive. Sept. On en a 11 encore. Est-ce qu'on peut purger les dettes et influencer? C'est pas cher. C'est pas cher les influences. On devrait y penser. Ah, Malwa, on est déjà au max. Bon, on verra bien. On va faire cette fichue paix. Bientôt. D'accord, tu t'en fiches que j'ai récupéré mes terres. Mois prochain.
Bengale. Ni laisser pour l'instant. Les eunuques. Je suis super content. J'ai un amiral. Bien. Vingt-neuf. Oh, c'est pas vrai. Bah tant pis, on annule. Voilà. Comme ça, moi, j'ai plus rien à faire. Mais il reste encore lui. Et lui. Moins 28. Malvois, il est gros quand même, hein. J'ai mis des baffes, mais il n'empêche qu'il est gros. On va le laisser dans la coalition. C'est le jaune pour qu'on va essayer de sortir de la coalition. Voilà. Allez. Hop là. C'est pas vrai qu'il fait une coalition. Sulu Ayutthaya. Mais n'importe quoi. Bon bah du coup faut que je t'attaque avant toi. Désolé. C'était pas le plan hein, mais bon, on me force à main. J'avais vraiment pas prévu de t'attaquer. Oui, de toute façon, c'était Sunda ou Brunei. Hein. Ouais, bah ouais, vous faites une koa avec. Avec quoi? Avec le Bengale en fait? Non, avec Malwa. On pourrait peut-être l'empêcher. Indigné, mais tu vas pas rester indigné longtemps. Cette coalition, elle va péter juste après. Quand ils vont se rendre compte que personne ne veut les rejoindre, ils seront hyper tristes. Bon. Ça, c'est pourri.
Voilà. On continue à prendre tout ce qu'on peut ici. On s'en fiche un peu de Bengale, Malwa, Jaunpur. Ça finira par se calmer plus tard. Mais il faut vraiment finir ici. Sunda, Brunei, Aceh, Sulu. C'est tout ce qui reste. Plus le petit ici. Mais il m'aime bien, lui. Et à vrai dire, il n'y a pas d'urgence, hein. On n'a toujours rien découvert, hein. Truc de fou. Je pourrais coloniser un peu plus si j'avais un peu plus de sous. Jaunpur, on continue. Malwa. Fais un don. Voilà, plus 7, il rentrera pas dans la quoi. Pas ce coup-ci en tout cas. Parce que c'est une potentielle quoi, pas une quoi en vrai. Vous pensiez que Sunda allait rentrer dans la Koa et vous pensiez que Malwa allait rentrer dans la Koa. Et maintenant c'est non. Et du coup vous êtes déçus. Hop là. On ne peut pas faire des exceptions. Hop là. Bien. Tout ça, ça monte tranquillement. Ça baisse. Bon, ben l'épisode de 48 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc je continue jusqu'à 1h10 à peu près. Et puis je vais le couper en deux. Eh ben oui. J'attends que ça tombe. Pour aller là. On a besoin d'être deux pour faire ça. Waouh, il va jusqu'au bout lui. Ah, il peut passer partout là. Ou utilise ses bateaux, le tricheur. Moi je pense qu'il triche. Cette saleté triche. Donc c'est une couette quoi. Sulu Brunei Côte. Je pense que Sulu, je peux l'enlever. La garantie sur Malwa, elle est chère. Alors on pousse jusqu'au bout. Là, ça pique quand même.
Ça serait bien que ça s'arrête tout ça un jour. Ah ouais, carrément. Mais là, faut arrêter là. Alors 92. Je suis pas sûr d'avoir besoin de ces trucs-là, moi. Bon, je vais prendre un peu d'impôts, tiens. On en est où là? Eh ben, ça avance bien. Il nous reste Shinto, Vajrayana et les Zoroastriens. Il faut qu'on aille en Éthiopie. Ouais, prochainement. L'arrivée des Jésuites. Très bien. Du coup, hop, voilà, les chrétiens seraient les prochains. On a combien là? Plus 350. Parfait. Sous Parce que Soulou, en vrai, tu m'en veux pas. Allez. Pardon. Il essaie.
Encore zéro. Ère des absolutismes, ça c'est bon ça. 15 de méritocratie ou 5 de mandat? 5 de mandat. Cinquante points administratifs. Mais tant pis pour la corruption. On va évidemment la remonter après. Plus que 7. Ah oui, assez. T'avais complètement oublié. Mille excuses. Bon, bah là, c'est fini. Pouvoir aller là-bas. Waouh, fait mal lui. Là, encore un emprunt. La dure vie en mer, plus de marins. Bon, peut-être que tu vas bien vouloir faire la paix, hein? Bien ma cible principale. Tu rigoles? Ok, il y a des super méga provinces là-dedans. Ok. 34 de développement, je comprends mieux. Ok. On lui laisse ses grosses provinces pour le moment. Le Bengale et le Japon.
Là. Alors pour l'instant, on a zéro en absolutisme, mais il va falloir que ça commence à monter. Et c'était la dernière fois qu'on faisait ça. Tu veux t'allier? Donc ici, le Japon Osokawa en 14 et 17. Donc on va continuer. Brunei. Il fait partie de la coalition. Mais quand je vais redémarrer, elle va sûrement disparaître. Donc, je vais amener ça là. On va voir qui l'a comme allié. Il n'a pas d'allié, hein. C'est juste la coalition. Et encore. Ouais, je vais les attaquer séparément. Dès que ça va péter, je vais lancer les deux assauts. Encore un marchand. Deux marchands. Là, il y a déjà quelqu'un qui collecte, là aussi. Heureusement, là, il n'y a personne. Là. Malwa 2, attitude hostile envers Ming. Bah oui, je comprends bien, mais c'est à toi de changer d'attitude. Tu peux pas avoir une attitude hostile. C'est mal. J'ai pas du tout envie de gagner de la corruption. Amélioration des relations, ça va faire le taf. Cinq, excellent.
Ah. Allez, on va s'arrêter là. Normalement, maintenant, il n'y a plus de barre de défilement. On a quasiment fini. On va pouvoir relancer la machine. Ça nous aura coûté cher, mais en même temps, ça nous aura rapporté beaucoup. Donc, au final, il n'y a pas de regret à avoir, sans compter qu'on n'a pas eu affaire à l'institution. Et c'est même pas ça le problème. L'avantage surtout, c'est qu'on a privé l'Europe d'une institution. Et ça va leur faire mal. Ça va nous permettre de nous développer rapidement, sereinement et de façon fort sympathique. On va aller toper un petit peu là-haut. On manque toujours de points diplomatiques, bien sûr, parce que là, c'est en train d'annexer à fond, c'est ça? Ouais, bah oui. C'est en train d'annexer. Oh, 3 focus. C'est terrible. On peut pas avoir des rivaux? Oh, c'est terrible d'être raciste, quoi. Il va vraiment falloir le... Ah ouais, non, mais c'est pas possible, ça. C'est une erreur. C'est clairement pas possible. Il faut quelqu'un qui soit plus coûteux et plus intéressant. Allez, on verra ça au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.